Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto très simple de la rose en fimo. Donc c'est parti. Pour le matériel, vous aurez besoin de la couleur de pâte de votre choix. Donc moi j'ai pris le framboise numéro 22. Vous aurez besoin d'un rouleau, d'un dotting tool et d'un emporte-pièce. Commencez par étaler la pâte de la couleur de votre choix. Donc moi je l'ai étalée à la pasta machine au cran numéro 5. Ensuite je prends l'emporte-pièce et je vais emporte-piécer plusieurs ronds. Et après je vais retirer l'excédent de pâte comme ceci. On va commencer par prendre un premier rond et on va déjà le torsader d'un côté. Je sais pas si vous allez voir, comme ceci. Voilà, on va faire comme ça, comme une espèce de cône de glace. Donc voilà, ce sera là tous les autres et vous allez les assembler dessus comme ça en laissant un petit peu d'espace. Donc j'espère que vous comprendrez bien. Voilà, comme ceci. Et vous en mettez partout. Par la suite, je vous conseille de reformer avec votre dotting tool. Je suis désolée, j'ai la main devant la lumière. Comme ceci. Pour ouvrir un petit peu la fleur. Que ce soit plus joli. Donc voilà tout le monde, ce tuto est très très simple. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura été utile. Donc n'hésitez pas à refaire cette création, c'est très très simple et très rapide. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut !